Et bonjour. Wow. Ma cam, elle est dégueu. C'est juste pour montrer le Dragon Ball. Ma cam, elle est dégueu. Hop. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux, c'est mieux. Ok, allez, on enlève ce truc dégueu. Bonsoir à tous. Je vais regarder s'il y a du monde. Il n'y a personne, comme d'hab, hein. C'est ça quand on n'est pas connu. Je vais finir par passer chez Twitch, moi. Hein. Les gars, YouTube, faut m'envoyer du people. Faut m'envoyer du people. Bon, de toute façon, je dois travailler. Donc, dans tous les cas, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien au fait que je dois travailler. Donc, je vais le faire. Et ceux qui passent par là, ben voilà. Voilà. Très bien. Vas-y, update. Update. Pourquoi tu veux pas? Internet. Voilà. Ouais, on met à jour GitHub Copilote. On se remet un chouï dans le bain. Parce que je vous avouerai que je ne me souviens plus où j'en étais. Si, je me souviens. Je mange, je viens de me souvenir. Je viens de me souvenir, il faut que je fasse, que je termine mes tests. C'est quoi ça? Ah, c'est pas le bon projet. Peine. C'est ça. Ok. 10 Windows. Tac au tac. Pa, 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 pa. Putain, il faudrait mettre une petite musique chill là. J'ai dit c'était chill. La question est, j'ai pas de truc pour mettre la musique. Dommage. Bon, c'est pas tout là. Très bien. Bon, j'espère que vous avez rattrapé, vous avez vu les vidéos. Pour ceux qui les ont pas vues, bah, tant pis pour vous, hein. Clairement. Donc ok, donc j'avais mes tests, j'avais tout qui fonctionnait correctement. Il manque un test, c'est que should navigate is login success. Il va falloir que je stocke. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est uniquement faire le stockage, c'est que je dois stocker mon petit token dans le local storage. D'accord? Donc déjà, je vais regarder dans la doc de React Native si c'est la bonne façon de faire. Donc React Native store local storage, ou s'il y a quelque chose de différent, hein. Voilà. Async storage React Native, async storage deprecated use one of the community package instead. Merci. Franchement les mecs, c'est ok, on a fait un truc, mais on avait la flemme. Va utiliser un package. Putain. J'utilise lequel, hein? Ah. Sort by quality, by popularity, by downloads. Oh. Alors, c'est quoi ce truc? Basic usage. Alors, je vais bouger. Lui, il m'intéresse. Il m'intéresse pour une seule et simple raison, puisque ça va peut-être répondre à l'autre question que j'avais, qui était de potentiellement mettre ça dans le Redux pour éviter de le charger tout le temps. Donc, Redux persist. Basic usage involving adding persist reducer and persist sort to your setup. In pattern, everybody need to decide how many levels of state they want to merge. Faut utiliser point, please. Ah, ok, très bien. Ah, vous avez mon bel anglais. Import create store persist. Ok. Import storage from default to local storage from web. Import const. Ok. Create persist store. If you are using React wrap your component with persist gate. This delay
The rendering of your app UI until your first state has been retrieved and saved to Redux. Ah ouais, mais ça c'est hardcore ça. C'est pas ça que je veux. Là, on est en train de persister le monde entier. Je vais pas persister le monde entier. Eh ouais, moi je vais pas. Je veux pas faire tout. Oh non, blacklist et tout. Non, non. Non, non, non. Ciao. Deuxième. Boum. Là, on est sur GitHub. React Native. Here. Ah, ok. Très bien. Alors, il faut installer. Il faut faire le link message. Il faudra que je. Ça, je vais rigoler. Je suis pas en train de faire de notes. Je vais me faire chier. Putain, faut que je l'écrive dans le README. Il y a un README là-dedans. README. Qu'est-ce qu'il est bon mon README? How to use. Très bien. Et puis extrait. Notes expo. Ah mais ça c'est le truc d'expo. Ça c'est bien. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça, clairement je m'en fous puisque voilà, install the CLI, ça c'est bien. Et en fait, là, ce qu'il faudrait écrire, c'est run the project from console. Mettre npm. Je vais prendre leur truc là, c'est pas mal. Npm start. Puisque là, j'en ai loupé un. Je sais qu'il faut que je fasse un link. Donc, TypeScript example. Donc, non, ça va être project. Bah non. Ouais, si tu veux, on laisse ça. How to use, très bien. Notes, non. Notes. If you add iOS or Android projects. Don't forget to make this following steps. Je le mets de côté. Puisque là, lui, il m'intéresse. React Native. Oh, bah, le coup. Ok. Ok. Usage, c'est ça qui m'intéresse. Store data, c'est. Oh! Ah, wait. Très bien. Allez, voilà. Ça fonctionne exactement comme le local storage. Ouais, clairement. Ok. 1, 2, 3. C'est quoi le projet? C'est React Native Async Storage. Okay. React Native Async Storage. React Native Async Storage, motherfucker. Bah voilà, React Native Async Storage, follow the usage, comment ils appellent ça? Non, c'est pas the usage, j'ai une télé. Y'a pas de, si, y'a un enchor, parfait. The installation link part. Enfin, voilà, ça, comme ça y'a un petit readme, ça t'avait plaisir. Ok, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que j'installe, va falloir que je follow moi maintenant les étapes. Donc on va ouvrir le terminal. On va faire un petit coup de yarn pour ajouter ça. On va regarder dans le usage et on va faire simplement notre petit test. Donc test. Should store token object calling storage. Voilà. Alors ça risque d'être asynchrone, mais pour l'instant je m'en fiche. Oh, waouh, c'est pareil, ils ont amélioré le zoom, c'est cool.
Voilà, vous voyez bien. Hop. Toujours personne. Je travaille là tout seul. Faudrait m'aider, les gars. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de moquer ça. Ça, je vais devoir le moquer. Bon, déjà. Hop, contrôle RM. Global, on va marquer working login flow. Comme ça, je fais juste ça. Donc là, forcément, make async. F12, je suis aveugle, c'est rien. Et donc c'est là où on va rigoler. Parce que il faut que je fasse un const mocked set async storage set item. On va l'appeler setrages.fn. Très bien. Donc ensuite, il va falloir que je moque. Alors, js.moque. Et c'est là où il faut que je regarde. C'est ça. Que je vais mettre ma petite factory qui va remplacer. Alors, je vais tenter actual storage. Et ce que je veux, c'est uniquement écraser quelque chose sans potentiellement péter tout le reste. Normalement, comme j'utilise de manière singulière, ça ne devrait pas poser de problème. Mais bon, je préfère faire ça. Et donc lui, ce qu'il veut, ça va être cet item. Moked. Je sais pas pourquoi. C'est une fonction, donc normalement ça devrait marcher. Okay. Et donc maintenant, c'est que je m'attends à ce que. Voilà, je. Ok, navigation. Je peux pas réellement tester hein, ce qui est. Je peux pas tester. Malheureusement, le fait qu'il rajoute quelque chose réellement via la async storage, puisque on n'est pas sur la machine, mais au moins je sais que c'est appelé. L'objectif, c'est de savoir que c'est appelé et de dire ok, bah, s'il y a quelqu'un qui l'enlève par inadvertance ou qui change de plugin, on n'a plus de contrôle là-dessus et ça plante. Donc là, ok, bah forcément il me dit c'est pas appelé puisque je l'ai pas encore appelé. Donc je vais aller dans dans ma commande là. J'ai mon navigate. Et alors, l'avantage, c'est que ça a l'air d'être du full static. D'accord. Donc, je vais pouvoir faire await. Donc, async storage. Il fait l'import. Parfait. Point. Cet item-là, ça risque de me casser les pieds en fait sur l'appel. On va avoir arroba storage key. Alors, il faudra que je le stocke quelque part. Pour l'instant, ça va être ici. Ça va être. Token key. Token response, TR. Alors, il râle parce que c'est pas un string. Donc, JSON, avec des majuscules, c'est mieux. Bon, stringify, token response. On reteste et on vérifie que mon mock passe. Je suis pas sûr. Ah, bah oui. Oh le malin. Le mets pas dans dev. Pas marché. Pas marché. Hein. Alors. Pas tout ça, mais on fait des tests. Non. On rejoue, on voit ça. Ok, canal file module from. Importe. C'est-à-dire que j'ai pas suivi l'installation guide donc J'ai plus rien de travailler.
Oh, il y a un geste d'intégration. J'ai pas bien regardé la doc. No limits. On s'en fout. Reading data. Reading object. Bon, déjà, je vais faire geste d'intégration vu que je l'ai mal fait. With mock directory. In your project root. Create. Setup file. Ok, bon voilà, on va partir sur la version mock directory. Je suis pas fan, clairement, hein, mais c'est mieux que l'autre dans le gest config. Donc, faut que je fasse un mocks. Là, on est en respect, respect total de ce qu'on nous raconte, j'ai pas le choix. React-native-async-storage. Ok, et donc dedans, on va créer un fichier JS. On va créer un fichier TypeScript, je pense que ça va faire exactement la même chose. Donc le fichier TypeScript, j'ai lancé le micro, je suis pas obligé de gueuler comme un bœuf. Async-storage.js. Oh non! Quand c'est. Réflexe. .ts. On chope ça. Copy. Paste. Pourquoi tu me fais chier? On va faire ça. Const React mock. Je regarde c'est que derrière. Je ne le remettrai pas. Juste mock. Mock async storage. Espérons que je fasse pas mock async storage, mock async storage. Faut que je vois comment il va marcher. Faut que je vois comment il va fonctionner là. En fait, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Dégage-toi. Expect. J'ai juste besoin de ça. Je fais le bourrin. Ok. Alors déjà, je vais relancer, vérifier qu'il plante pas avant. C'est toujours la même erreur. Et donc là, il me fait cannot find module. Question, c'est pourquoi? Alors après, peut-être que je suis allé trop vite, hein. Peut-être que j'ai fait le mauvais appel. On va voir dans async storage, add import statement. Faut que je regarde bien le nom, j'ai peut-être fait des bêtises. Async storage. Si je rouvre la doc. C'est React Native Async Storage. Il faut que ce soit React Native et c'est toi ce que j'avais avant. Ouais, ce que j'avais avant. Oh, et foutage de gueule. Va me dire cannot find encore. Je suis obligé d'attendre un composant, sérieux. Tu vas pas me dire ça. Six storage can only store string. Ok.
Mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il pète un câble? Ouais, il pète. En fait, c'est le truc qui pète un câble. C'est bizarre. Ouais, donc là, peut-être qu'il va falloir que je passe en JS pour pas qu'il me saoule. On fait F12. Zobie, je suis allé trop loin. Parce que là, mock. Voilà, mock async storage. Et si je fais juste export? Default comme ça. Il râle plus. C'était juste moi qui étais un peu te. Voilà, teuteux. J'étais un peu teuteux. J'étais un peu teuteux. Mais qui me spamme, quoi? C'est le perso. Ok, on reteste. Cannot find property. Je me suis gouré. Je vais pas lire la doc. Je vais pas lire la doc. Je vais pas lire la doc. Export default. Export default. Putain, inside your setup file, setup. En fait, ouais, je sais vraiment pas lire la doc, quoi. Je suis vraiment teubé. Attends. Ça marche toujours ça? Attends, là je l'ai pas là, clairement. Monsieur, monsieur. Attends, oh. C'est quoi? Attends, mais je l'ai pas. C'est pas un exemple complet, c'est. You can check this implementation. Bien sûr que je vais check l'implémentation. Tu fais que du. Elle m'aide beaucoup cette implémentation. Des fois, je me demande pourquoi les gens ils font des choses aussi compliquées. C'est quoi l'intérêt de faire un truc aussi compliqué? Un porte-mocking storage quoi, il est là hein. Et cet objet. Ah, il a que des valeurs tranquilles. Là, il n'y a rien, on dirait que c'est. Et donc, quand tu te mets là. Attends, je prends. Oh, je préfère ma soluce, hein. Attends, oh, on va revenir en arrière là. Les gars, c'est pour me faire faire de la merde. Clairement, laissez-moi faire mes mocks tranquilles, hein. Clairement, c'est pour me faire chier. Ça marche, ça marche. Async storage is nul. Bah ouais. L'idée de faire des trucs statiques aussi, comme ça. De
Monde de teubé. You can use. Ça me plaît bien le moquette, voilà. Allez, contrôle Y. Non, ça va pas. Vas-y, guide up copilote! Je vais franchement le test comme ça, hein, juste pour voir ce qui se passe. T'as kiff. Je kiffe la doc. Vous imaginez même pas à quel point. Je vous la mets. Hein. Ah là. Ah là, instantly coupled with native module parts. You need a... In order to use in test, you have to provide a separate protection. Follow this step to add moquette. Okay, voilà. Le mec, les gars, ils te disent, t'as deux choix. Tu fais mock directory. Tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu fais ça. Allez, au pire. Vous savez quoi, au pire. Je prends leur code, je fais ça, je fais... Hop, et je change en fichier.js. Ils me cassent pas les murs. Voilà. Hop. Il me fait pas chier. Il va me dire quoi? Je l'ai mis. Pardon. Voilà. Et je le fais là. Très bien. Est-ce que ça change quelque chose? Ça a l'air de... Ah ouais, donc TypeScript... c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Native... Async Storage System. Each publicator will from async mock function. But you can text after the condition. Très bien. Voilà. Expect. Moi j'aime bien ça. Je m'en fiche. Set item to be called with. Alors j'ai plus le nom de la clé parce que j'ai une mort de poisson rouge. Ok, mais en fait il risque de me faire la même chose. Ah oui. Putain. Toujours des demi. Les gars, apprenez à faire de la doc s'il vous plaît. Obligé de chercher, c'est la perte de temps. Voilà, merci. Bien, est-ce que c'est... Ouais, c'est la même, hein. Cool. Je me disais aussi. Allez, refactor. Ça change rien, je suppose. Je suis en train de lire des trucs GitHub, hein. Donc là ils disent tu peux le bouffer, tu peux le bouger. Euh,
Les problèmes, ok, lui il dit il redoc. C'est la merde. I check it, il manquait ça. For future visitor. Ouais, ça a toujours pas le bon. For future visitor, c'est toujours pas bon. Donc qui était cette doc, qui était nul à chier. Intake de source, create mock. Ah ouais, en fait c'est React Native Community, c'est genre. C'est ouf! Les gars, faut penser à se réveiller là, un peu, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, les gars, t'es là. Franchement, c'est ouf! Les divergences entre la doc et. Les gars, franchement, c'est pas possible. Sérieux. Play. Toujours même problème. Now, ah putain, mais les gars, mettez-vous putain d'accord. Suis comme un bourrin. À chaque fois qu'il y a un truc à tester, bim, je le teste. Commence à faire nuit. Je sens. Toujours sans amis. Je pense qu'on vient de dire c'est peut-être mieux. Rien. C'est fou cette erreur. Mais c'est pas nul. Il faut quand même que je fasse ce bout de code. Ce serait quand même assez fou que je sois obligé de faire un bout de code complémentaire, quoi.
Oh, les tarbas, sérieux, c'est ça? Oh, si c'est ça. Oh, si c'est ça. Je vous jure, si c'est ça, c'est. Toujours pas ça. Oh les gars. Faut que je reprenne l'inté. Ah ouais, effectivement, il y a un naming qui a pété. Refactor. Vas-y, do refactor. Continue. Je m'en bats les couilles. Vais pas écrire. C'est mieux. Allez, cette fois c'est la bonne quand tu sais écrire. Pourquoi? Genre c'est ça? Ouais. J'adore. Vous n'imaginez même pas à quel point, mais à quel point j'adore TypeScript. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, monsieur? J'ai envie de l'enculer à sec, clairement. Là, on passe sur les insultes. C'est du foutage de gueule! Alors, je ne sais pas si vous venez d'entendre ça, mais je crois qu'il y a une Formule 1 qui vient de passer juste en bas de chez moi. Clairement, hein. Là, on est sur la Formule 1. Par contre, receive, expect. Attendez. Ça m'étonne, puisque normalement, constrait. Quand même, moqué ce truc-là. On est presque. C'est juste moi qui suis teubé à souhait. Après, il est tard. Faut peut-être un petit peu admettre que c'est plus l'heure de faire du dev. Quelle réponse? Ok, alors là, voilà, là j'ai potentiellement quelque chose qui me dérange, puisque il semble que leur mock repasse la Formule 1. Puisque par exemple là, voilà, je vais pouvoir mettre le token, donc faire un contrôle RF si, non, contrôle RV peut-être, non, j'ai loupé. Token. Oh, Zeb. Je l'ai perdu. On va revenir là. Faire un protocole, Winflow. F12. C'est ça que je veux. Pour le RF. Token. On va pouvoir même appeler ça. Const token. J'aurai jamais. Par contre, on va faire un petit coup de debug. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si j'ai bien ma bonne instance du stub. Juste pour vérifier ça. Parce que HTTP client 10.
Non, dans le contexte peut-être. Dans la closure? Ouais, mais donc. Ouais, putain, quelle closure. En réponse. On voit bien que réponse. J'ai mon objet. Donc ça veut dire que potentiellement ce qui me renvoie au niveau de token response c'est pas bon. Donc on va aller check le HTTP client stub. Ijnana, promise resolve. Ah oui. C'est mieux. Ça devrait être mieux. Là si je joue. Hop hop hop. Et que je lui dis que ça attend ça et token response. Token. Ah! Et oui! Et oui! Alors, expected. Alors, bah, il faut que je fasse un json.stringify token. Et donc là, je vérifie en plus que ce que j'ai mis, c'est bien le token. Parfait! Nickel! Chrome! Je vais rejouer tous les tests. Le renders avec le snapshot risque de ne pas fonctionner. Voilà, ce qui était prévu. Voilà, donc là c'est juste les modifications que j'ai faites. Très bien. Avant de couper, puisque de toute façon il n'y a personne, qu'il est plus de 21h, ça commence à être la nuit, je vais faire d'autres choses. C'est juste un petit rattrapage. On va faire la facto. Alors, j'espère que ça ne me prenne pas trop de temps. La facto de l'email. Voilà. Vous avez cru, hein. J'étais à fond et c'était un truc pourri. C'est pas ça. C'est ça. Donc, components core. Hop. On va appeler ça, on va faire un directory form. Form, ouais, form. Pas form, parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est. Ouais, faut que je me remette un peu dans le code, mais globalement, ça va être ça. Set isValidEmail. Je réfléchis, hein, à voir si je le fais maintenant ou pas. Input, la value, faut que je lui passe. Translation, il faut que je lui passe. Faut que je lui passe un retour, l'us valide. Ok, au niveau des components, je vais. Il va falloir que je lui passe des props. Bon, ouais, c'est jouable, on peut commencer. Au pire, je ferai un rattrapage. Donc, ça va être TypeScript, ça va être un TSX. Et on va appeler ça email.component. Donc il y en a qui n'aiment pas mettre .component, ils trouvent ça long, moi j'aime bien. Ça m'évite de savoir si. Bon, dans email, on se doute que c'est un composant. Mais ça pourrait être email autre chose. D'ailleurs. Email input. On est en TypeScript, donc. J'ai une préférence pour ça. Donc, déjà, on va créer la structure. Avec un const email input égal ouais, c'est en brut de décoffrage, j'ai pas besoin de ça, c'est juste ça. Il l'a importé et donc là il va râler forcément sur tout ça. On va faire une petite interface qui va s'appeler email input props. Normalement j'ai besoin de rien d'autre. Donc je vais avoir un place holder de string, une value, alors là ça va être le binding où ça va me faire marrer,
Non, parce que le binding est fait sur la commande, donc c'est pas très grave. Je réfléchis, est-ce qu'il faut utiliser un use callback ou quelque chose comme ça? Je pense pas. Je ne pense pas. C'est pour éviter des re-renders inutiles. Ça peut se checker assez facilement, il suffit de mettre un use effect à console ou juste un console avant le return et on a tout de suite la valeur. Value string. Et on change text callback, c'est pour l'instant simplement une fonction. Ok. Donc j'ai mes props. Il faut que je fasse const de t égale use translation de souvenir. C'est ça. Alors il faut que je vérifie tout de même. C'est pas ça. Ok. Donc comme ça déjà j'ai t. Ici, bah, on fait props.placeholder. Ici, props. Pourquoi 10? C'est une fonction, on n'est pas en mode classe. Point value. Et donc là, tac, tac, tac. Je réfléchis. Bon, en fait, on va juste appeler le callback. Hein. Pas de valeur de retour. Il y a juste new value, donc c'est string en fait. La seule nuance, si je veux l'appeler direct, être tranquille, donc logiquement je dois pouvoir faire totalement compatible props.onChangeCallback. Donc là il râle pas. Bon, ensuite j'ai ça à bouger. Donc c'est ma validation, hein. D'accord? Qui dépend dans. Props, putain, pas 10. Oh là là. Point value. Ça dépend uniquement de ça. J'ai forcément un useState. Et j'ai forcément ça en fait qui va passer là. On est bien d'accord. Voilà. Est-ce que j'aurais pas été un chouï bourrin? Pas oublié quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Effectivement, il me faut du style. Alors. Ce truc-là me plaît pas. Est-ce que le composant chope le style? J'ai envie de lâcher un bon gros non. Pas envie que ce soit dépendant du design. Ah ouais, mais j'ai pas erreur en fait. Ouais, mais erreur c'est l'objet. Donc c'est bon, 3.style. Invalid image, je laisse tel quel. Par contre, effectivement, j'ai un problème ici, quelque part. Eh ben oui. En mettant le deuxième, c'était plus un seul objet. Ici, donc c'est. Props. Pas possible. Hein. Value. Et si je dis pas de bêtises, bah, j'ai tout changé. Donc là, mon appel. Email. J'ai pas fait d'export, donc il va jamais le trouver. Export default email input. Donc là j'ai mon petit export. Donc là email input imatomi placeholder. C'est ça. Donc je mets directement la clé.
notre il le change pour email. Style, voilà. Donc là j'ai une erreur, il va me râler, donc il me râle dessus sur le type void is not assignable to. On voit quelque chose, ça. Ça sert à rien renvoyer. Pourquoi tu me ennuies comme ça? Je te laisse un truc. C'est tout. Très bien, très bien, très bien. Ok, et donc là en fait j'ai pas besoin de relancer, donc clairement j'étais plus là. J'étais abasourdi, mais j'ai juste à choper mes specs, à refaire un petit play, on vérifie qu'il n'y a rien qui est pété, tous la même erreur. Effectivement. Donc là, effectivement, j'ai une problématique qui est le isValidEmail dans le composant qui se retrouve à être là. Et que je vais devoir doubler en fait. Ça me dérange, un chouille. Non, je peux pas le doubler, cette signe commande new value. La new value, elle n'a rien à voir avec l'email. Il faudrait que je fasse un is valid, un callback is valid pour dire ok, bah c'est valide, on renvoie et je stocke la valeur. Je vais regarder si sur internet, si je fais un petit react. Native component send back value to parent. Voilà. Sans utiliser transparence. Check. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, hein, obligé. C'est classique, hein. De toute façon, si on veut renvoyer, bah, on est sur du callback, donc ça va être isValid.
Et isvalide renvoie simplement un booléen. Moi j'ai besoin ici hein, pour afficher la valeur, puisqu'on n'est pas sur. C'est quelque chose de classique au niveau d'affichage. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais te faire isvalide. Non, props isvalide. Et je vais l'appeler callback pour garder une cohérence. Props.isvalidecallback. Bon, alors on peut faire call. On peut l'appeler comme ça. De la tac tac rv is valid Ok, donc je vais te faire un point call, il ne s'attend pas en fait à l'appel. En faisant le point call, normalement on invoque la méthode, si mes souvenirs JS sont bons. Et donc, puisqu'on va se retrouver avec ça. On va quand même factoriser un bon bout. Et en fait, avec ça. On. Non, c'est pas là. Voilà. Et. Ah, mais non. Je suis teubé. Hein. C'est pas ça que ça renvoie. Comme ça. Et donc en fait j'ai isvalide qui est un booléen. Donc là il le reconnaît bien. Et moi je vais faire un set. C'est pas ça? Set email valide? Set isvalide email de isvalide. Et donc là. J'ai bien tout qui fonctionne normalement. On rejoue les tests. C'est toujours un peu ennuyant ça, c'est le truc. Le... T is not a function. Alors pourquoi? Simplement pour ça. Faire useState classique. Found multiple. Qui marche. Voilà. Donc là, il m'a tout de suite dit hey, il y en a deux. Oui, il y en avait deux. Là, on a bougé. Là, c'est mieux. Ça passe. Ça va être les derniers. Voir si on a bien le set qui passe correctement. Boum, factorisé. Et voilà. Il n'y a personne qui est passé. Dommage. Moi, j'ai fait ma petite séance de boulot. Je vous ai présenté ça. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer les... La... Mince, comment je voulais dire. Le design. Sur ce, après cette bonne heure de live, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais aller fermer les fenêtres avant que je me fasse bouffer par les moustiques. Ce que je vais pas spécialement apprécier. J'ai le spray anti-moustique, vous inquiétez pas, je suis prêt les gars, il est là, hop. Bouclier insecte, ça pue, ça se fait tousser, mais les moustiques ils te laissent tranquille. Voilà, moi aussi je vous laisse tranquille les gars. J'espère que vous passerez sur ce live, que vous apprécierez. Je me rapproche du micro parce qu'il y a du bruit là, c'est la nuit, c'est vendredi, je suis en centre-ville. Que les casse-couilles en moto et en voiture de luxe. Vive la Côte d'Azur, heureusement je me casse. Désolé à tous ceux qui sont de la Côte d'Azur et qui passent par là. Donc voilà, moi j'espère que vous avez apprécié, que vous apprécierez le récap de ce live, que vous apprendrez 2-3 choses au moins au niveau qualitatif. On se retrouve sûrement demain pour la partie design. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus les devs.